Yo les fans de Ark et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode Ark PVP modé, la lutte contre la justice continue, avec notre ami Ramgo l'habillé énervé. Et vous voyez derrière moi, il y a deux petites bestioles qui vont m'aider pour le prochain raid, parce que oui, j'ai trouvé quelques bases en plus. Et ouais, j'ai bien cherché, j'ai un peu amélioré la base vite fait, parce que voilà, j'ai mis des loups en agressif qui sont un peu partout, hein, tout simplement. Donc j'ai dû fermer là-bas, parce qu'ils bouffent toutes les repros, tout simplement. Rien de plus dans la base, donc on va pas perdre de temps. Et on va attaquer directement cette base, ici. On va prendre quoi? What? J'ai tellement de trucs, tout ça c'est pour mes raids. Je vais prendre les wyverns, la base est pas très grande, donc je vais pas avoir besoin de grand-chose. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Les deux wyverns qui sont là, je vais les laisser, c'est mes wyverns reproductrices. Et puis après on va y aller, je crois. Après on va y aller. Voilà, je refais des loups, hein, j'en ai pas assez. Voilà, je refais quelques loups ici. J'ai réussi à avoir des loups blancs, ils sont magnifiques. Regardez ça comme ils sont beaux. Voilà, j'ai des loups noirs aussi, je suis très fier de mes loups. Et du coup, on y va, c'est parti. Let's go. Allons raider cette base. Je sais pas, je crois que le mec est pas connecté. Déjà, pour commencer, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et je pense que le mec est un peu stupide aussi, parce qu'il a fait sa base au pire endroit qu'on pouvait faire. C'est tout simplement un spot de ressources incroyable. Et donc forcément, niveau base cachée, c'est pas très caché, quoi. Voilà, c'est à peu près ici sur la map. Voilà. C'est vraiment, le mec s'est dit, je me mets au milieu et tout ira bien pour moi. Et la base du cul juste ici, s'il y en a une autre, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé deux autres bases aussi qui sont assez intéressantes ici. Voilà, tout au sud-ouest de la map. Et une autre au volcan, à peu près là, je crois. Je sais pas trop. Donc si on a le temps, on ira le faire dans cet épisode. En espérant qu'elle soit toujours là aussi, hein. Parce qu'en ça, c'est pas sûr, hein. Voilà. C'est ici. La base est pas énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes mes wyverns. Je vais les mettre en agressive et on va voir ce qui se passe. Voilà, je vais mettre là. Tout sortir ici. On espère que ce soit calme par ici là. What? Eh, viens pas. Je sais pas qui tient à faire là, gros. Vous savez pas. Voilà, ça c'est juste que ce soit un peu calme. Je mets deux loups de garde. Voilà. Si je me fais attaquer, vous les défoncez tous. Ça va être stylé en vrai. En vrai, ça va juste être stylé. Parce que ça va être bien. Le génie du mal a fait quelques conneries déjà. Avec son bateau foireux. Mais c'est pas grave. Il était beau mon bateau. Il y en a qui sont très nuls, il y en a qui pourront peut-être mourir, je sais pas. Vraiment, je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je sais pas, j'avais envie de tenter ça. Cette base, elle a pas l'air très bien défendue. Au pire, ça partira en quelques mètres, c'est pas grave. Allez les filles. On y va. À l'attaque. C'est pas de l'abus, ça va? Non? Vous trouvez pas? Maintenant qu'on est tous là, on va se mettre tous en mode attaquer ma cible. Et là, là on y va, hein. Tout simplement, c'est l'attaque. L'attaque des wyverns. Allez les filles, vous tuez tout le monde. Super. Yo, on se fait tirer dessus. What, elle tape pas très fort en vrai, hein. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner cette histoire, hein. Franchement, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Allez, allez. C'est un peu nul, non? Allez! Allez, Louis Verne! Elle est ingérable, la Wyvern de foudre. Mais bon, en vrai, ils font pas beaucoup de dégâts, les Vélonazors, donc. Je pense que ça va passer. Hein. What? Mais quel bordel! Mais en vrai, là, le joueur il est connecté, il peut rien faire. Il peut juste rien faire contre tout ça. Il y a trop de PV, quoi. Il y a des Wyverns qui tapent fort, hein. Mais arrêtez de me pousser. Il y a des Wyverns qui tapent à 120. Bon, les Vélonazors aussi tapent au fur et à mesure. Il y en a un qui est mort, je crois, ou il est tombé. Ok, il y a un Vélonazor qui est mort, très bien. Allez, oh, y'a un Jax là-bas qui prend tarif. Tu es sérieux, j'ai une Wyvern qui a été tuée. Par un Vélonazor. C'est une honte. Voilà, il tombe. Allez, on va le fumer. Voilà, très bien ça, parfait. Et il en reste encore. L'autre, elle s'est coincée dans les pics là-bas. C'est bien. Donc il reste un Vélonazor ici. Bon, on va y aller en mode normal.
Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le... Ouais, c'est quoi ce 1000? Ah ouais, attends, mais le Wyvern allait mettre autant de dégâts aux structures que ça? Incroyable. Alors là, franchement, qu'il y en a un qui a la bonne idée de venir. Il y a un petit piège. Un léger piège. Ça me tue. Mais en vrai, ça a été plutôt efficace, à mine de rien. Il y a une Wyvern qui est morte, mais elle devait vraiment être très bas level. Donc c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça. Mais bon, en vrai, il y a quand même rien de meilleur que ça. Non. Ça, c'est plutôt efficace. Hein. Ça, c'est plutôt efficace. On va faire un petit trou par là. Je crois que la porte a sauté. Non, pas encore. Bien résistant, cette porte, dis-moi. Ici, on va enlever un petit peu les pics. Bon, histoire d'être en toute sécurité. Parce que les Français veulent de la sécurité avant tout. Allez, Zeberdi. C'est ouvert. Coucou. Est-ce que... Ok, des trucs à l'intérieur. Aïe Bobby McGear. Allez, c'est pas verrouillé, c'est bien ça. Les joueurs ne verrouillent plus, ils ont compris. Ok, y'a que dalle. Y'a rien d'autre? C'est tout? C'est tout ce qu'il y a? Mais c'est hyper décevant, wesh. Voilà. On fait ça. Oui, parce que même si... même si c'est pas verrouillé, j'aime bien casser quand même, dans tous les cas. Peut-être là-haut, là, je sais pas, y'a un faux fond, peut-être. Je crois que c'est extérieur ça. Non, il n'y avait rien d'autre, il n'y a rien de caché. Dans le lit, il n'y a personne, on n'a même pas le plaisir de le tuer. Ah oui, il y avait un faux fond. Ah non, pas du tout un faux fond. Ok, bah c'est cassé. Hein. Ça a été très rapide. Je pensais que ça allait être un peu plus solide que ça. Bon, bah écoutez, on va passer à la suivante. Hein. L'autre que j'ai vu avec les wyverns, ça peut être intéressant aussi à faire. Donc, on va rester dans la thématique wyvern. Et regardez le spot à ressources. C'est quand même un truc de malade. Très très mauvaise idée de venir s'installer ici. En effet... ça attire les convoitises, donc bon. Désolé, Boy McGear, mais c'est ciao. Bon, allez, on va faire l'autre base direct. Hein. J'ai pas soigné mes wyverns, j'y vais direct. J'ai soif de sang. J'ai soif de raid. Alors, c'est parti. Aucun a changé d'ambiance. C'est un peu plus dark. Un peu plus ténébreux par ici. Je pense que c'est une bonne idée, en vrai, de faire une base ici. Parce que ça donne vraiment pas envie. Il y a des wyverns partout. Il y a beaucoup d'IA agressives. Donc c'est assez dangereux, mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de le raid. Et aussi, ce que je me dis, c'est le serveur, je sais pas, il est peut-être un peu RP, parce que, regardez, la base ici, que j'ai vue, ouais, si elle est toujours là, elle est là. En vrai, c'est un peu RP, hein. Call me MILF, ah bah bravo. Voilà, c'est un peu RP, alors, il y a des argentes un peu partout, ok. Donc ça va être une bataille aérienne, j'espère que mes wyverns vont triompher de ça. Voilà, deuxième base qui est franchement sympathique, hein, mais qui sera encore plus sympathique quand elle sera rasée. Non, parce qu'en soi, je sais pas, une base comme ça, logiquement... N'importe quel serveur, elle tient pas deux jours. Donc je me dis, une base comme ça qui existe, ben je sais pas, peut-être qu'il faut pas raid. Mais on va raid, c'est pas grave. Au pire, je me ferai des tâches du serveur. Je me serais bien amusé. Ok, les petites wyvernes. Alors vous allez m'écouter. Aujourd'hui, nous nous battons contre un mec qui a fait une base RP et nous allons le démolir. D'accord, les petites wyvernes? Je compte sur vous. Une grande bataille aérienne nous attend, mais s'il vous plaît... Voilà, bon, ça va être une bataille du feu de dieu. Vous êtes prêtes? Hein, c'est parti! Merde, comment je me remets? Yo! J'arrive! Allez, c'est la baston! Oh, ça va être un carnage. Hé, hey, les Wyvern, attaquez! Faites quoi? Allez! La baga! La baga! Ça marche pas du tout comme je le voudrais. Ouais, je suis sûr qu'il y a des wyverns qui vont tomber dans la... Il y en a une qui est toute seule là-bas, là. Il faut aller l'aider, wesh. Il y a trois argis contre elle. Allez, défoncez-les. Vous faites quoi? Ouais, tiens, d'autres wyverns qui se ramènent. Ouais, ça va être le chaos. 193 à la mythe, c'est ça? Yo, go sur elle. Ouais, tiens, d'autres... Ah non, la rouge, elle est à moi, elle est pas à moi. Yo, les gars, ça va partir en cacahuète, tout ça. Je le sens. Je le sens fort. Ouais, y a encore une wyverne. Oh, mon dieu. En vrai, c'est de la merde, ce truc. What? Là, là, y a une agression. Mais c'est quoi, ça? Oh là là. Ça sert à rien, mais Wyvern, c'est grave. Hein. Ça là, tuez-la celle-là là.
Mais pourquoi ça vise... Ça vise pas la bonne Wyverne? J'ai une Wyverne qui est morte. What? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame là? What? Ça part en cacahuète? Mais quoi? Bon, ça a pas marché comme prévu. Quoi? Je suis malade? Allez, on en rajoute, il n'y en a pas assez. En vrai, ce que j'aurais pu faire, hein, tout simplement, c'est les shooter et les éloigner. Mais bon. Par contre, les wyverns qui sont là, elles sont trop puissantes, quoi. C'est incroyable. Mais quoi? Ça a combien de PV, ce truc-là, là? 6000? Allez, mais fumez-la, celle-là, là. What? Mais Wyvern, elle met du 34. C'est grave. Battez-vous! En vrai, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est grave. Allez, allez, on y croit. Et elles vont gagner, c'est sûr. Elle m'en a encore tué une. Bon, vous savez quoi? Elles vont faire diversion. Pendant que moi, je vais attaquer la base. Hein. De toute façon, ils arrivent pas, ils arrivent pas. Hein. Mais enfin, je trouvais ça sympa comme strat, mais c'est un peu pourri en vrai. C'est RP, mais c'est plutôt relou à faire. Parce qu'une seule base, tu rentres, tu casses tout. Là, il faut que je casse plein de trucs. Alors, s'il y a de la viande, je prends. Ouais, ça, je prends. C'est quand même intéressant pour moi. What? Bon, ici, on va y aller en mode bourrin. Hein. Ah, ça va être plus simple. Vérifier s'il y a des trucs à l'intérieur. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, encore une fois. Ok. Non, tout est vide. Allez, on casse tout. Ok. Mais Wyvern, c'est pas... Ah bah j'allais dire qu'il y en a aucune qui est morte encore, mais... Si, si. Alors là, il y a quoi, là? What? Tout ce qu'il y a. Aïe. Ça, ça faut vraiment que j'arrive à gérer. Ok. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ok, alors. Du métal, ouais. Il n'y a pas grand chose en vrai. Il n'y a rien de dingue. Oh, c'est quoi ça? Oui, c'est vraiment RP. Hein. La salle d'atelier, quoi. Ok, mais il n'y a rien d'intéressant par contre. Hein. C'est grave. Hein. Allez, ciao. Merci. C'est sympa à voir en tout cas. Là, il y a encore un truc. Les Wyvern, elles tiennent. Oh, j'ai cassé un intérieur. Ok. Il y avait quoi? Ah, ouais, ici, c'est la salle. La salle de repas. C'est incroyable. Par contre, tout est vide. Vas-y, l'argile rend pas fou. Hein. Non, tu rends fou. Tu rends fou l'argile. What? Non, non, le griffon, le griffon. Fais pas ça, le griffon. Viens, frérot. Et lâche mon griffon, toi. Eh, c'est sûr. Par contre, les argentavis. Si vous pouvez vous barrer d'ici, ce serait intéressant. Alors j'en étais où? Ouais, ça je l'ai fait. Ça. Du coup, j'en étais là. Attention le griffe. Je me ferai attaquer. Incroyable. M'a saoulé lui. Tandis que mes wyverns hein, qui se battent toujours. Je sais pas trop ce qu'elles foutent. Ah non, c'est arrêté le combat. Venez, venez, venez. Plongez pas dans la lave. Venez, suivez-moi. Ah ouais, mais même plus maintenant. J'aurais fait vivre l'enfer. Il y a un argentavis à péter, là. Allez, tuez-le. Elles veulent plus se battre. Ouais, tiens, encore ces wyverns de mort, là. Ok. Bon. Je sais pas, leur combat n'est pas terminé. Je sais pas trop ce qu'elles font. On va les laisser faire. Nickel. Alors, il y a quoi, là-dedans? Des lits. Ça, c'était une bonne base à raid. Hein. Ok. Et là, c'est quoi, là? Et là, c'est genre... La cuisine. Bon, du coup, bilan des courses pour les deux raids que je viens de faire. J'ai ça.
Voilà. T'es pas les meilleurs raids du monde. Mais écoutez, c'est des raids quand même. Hein. Écoutez, pendant que ce combat magnifique sous nos yeux se déroule, je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour encourager mes wyverns à faire mieux la prochaine fois. Parce que là, c'est un peu une catastrophe. Deuxième strat du génie du mal, qui est pas super bien passé. Verra pour le prochain raid. Et j'ai encore une petite strat en réserve. Vous voyez celui-là? Mon pif me dit que celle-là, elle va bien marcher. Tout ce monde.